C'est bel et bien démarré les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale dans les communes du Mali. Cinq grandes thématiques seront au cœur des discussions et échanges. Une chance pour les Maliens de s'exprimer sur le devenir de la nation. Nous allons sillonner ensemble avec nos différents reporters les communes pour constater la participation et surtout avoir votre opinion sur cette rencontre voulue par nos autorités de la transition. Dans l'actualité également, le lancement ce samedi matin des épreuves du concours d'entrée à la fonction publique. Ils sont au total 65 817 candidats, toutes spécialités confondues, à y prendre part. Au lycée Baminata Diallo, le sujet du jour portait sur la relance du domaine agroéconomie, précisément la production rizicole au Mali. Tiamoro Konaté nous en dira plus au cours de cette édition. Samedi, 20h, bonsoir à tous. Audience à la primature, le chef du gouvernement a reçu la vice-présidente du groupe Poli. Les échanges ont porté sur les activités relatives à la société Nsukala. Le commentaire est signé Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali est inscrit dans la relance de l'économie nationale à toutes les échelles. C'est dans cet esprit que le Premier ministre a reçu les partenaires chinois en charge du projet Nsukala qui sont venus voir le chef du gouvernement pour avoir des facilités dans le cadre de la coopération sino-malienne. Il est souhaitable que, dans la mesure du possible, à part de la coopération dans l'industrie de sucrier, on peut aussi tirer pleinement parti de ses atouts, c'est-à-dire par exemple dans les domaines de le commerce international, la culture, l'expositif civil, etc. Je voudrais dire quelques points de vue, surtout, ou bien on peut dire que ce sont des petites mondes. Premièrement, c'est pour le projet Sugala et Nsugala, nous espérons toujours le soutien dans le domaine de la terre. Et nous souhaitons qu'on peut avoir des privilégiés dans le domaine de l'exonération et de l'impôt et de taxes. Le Premier ministre, en les recevant, dira que tous ceux qui peuvent contribuer à la relance de l'économie nationale de façon transparente, en respectant les lois du pays, sont les bienvenus. Dans le nouvel État malien, nous avons constitutionnalisé certains principes, notamment tous les cadres qui sont nommés à des postes doivent être contrôlés. Est-ce qu'il veille réellement à la défense des intérêts du peuple malien? C'est écrit dans la Constitution. Avant, les cadres faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est constitutionnalisé. Ce qui fait que ceux qui sont responsabilisés pour des missions, ils sont plus rigoureux maintenant. Parce qu'eux-mêmes, ils sont contrôlés par d'autres. C'est ça qui explique peut-être quelques difficultés qu'ils ont avec Nsukala aujourd'hui. Je suis plus ou moins au courant du fait qu'il y a des malentendu souvent, parce que les Maliens disent qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Par exemple, la comptabilité, tout est fait en chinois. Eux, ils ne comprennent rien. Ils veulent comprendre. Ensuite, la création de cette société, c'est l'État malien qui s'est endetté auprès d'Exim Bank. Donc, c'est son droit de chercher à comprendre. Et lorsqu'ils ne comprennent pas, eux, ils sont obligés de poser des questions. Parce qu'ils sont contrôlés aussi. Ce n'est plus comme avant. La coopération avec la Chine, ça va au-delà de l'opinion des simples. Car c'est une coopération depuis de 60 ans. Et nous y tenons pratiquement plus fortement qu'à la coopération avec beaucoup d'autres pays. Parce que quand c'était difficile au Mali, beaucoup avaient quitté, c'est les Chinois qui étaient là. Donc nous prenons la coopération avec la Chine avec les deux bras. Nous faisons beaucoup attention à ce que nous faisons avec les Chinois. Démarrage des phases communales du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Au moment où les populations de nos différentes communes à travers le Mali se concertent, le président du comité de pilotage était à la maison de la presse. Une visite du président Ousmane Issoufi Maïga pour saluer l'engagement de la presse malienne en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les membres du comité de demander aux fêtières de la presse d'œuvrer à la réussite du processus. Mamadou Fane.
Les fêtières de la presse contribuent de par leur mission à la stabilisation et à la cohésion sociale entre les fils du pays. Ce rôle est bien compris par le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les membres de ce comité, en rendant une visite ce matin à la maison de la presse, entendent aussi témoigner leur reconnaissance aux acteurs de la presse au moment où démarre la phase communale de ce dialogue. Et nous avons dit qu'il était important, même voire indispensable, que ceux qui ont la plume, qui ont le micro, nous puissions aller leur rendre une visite fraternelle pour échanger avec eux, non pas les convoquer au CICB où se trouve notre siège, mais venir à leur maison commune pour leur dire bonjour. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous vous demandons de nous accompagner parce que nous sommes tous, au-delà de vos métiers respectifs, des fils de ce pays, des filles de ce pays. Notre pays traverse des crises cycliques. Ça paraît même endémique. Il faut que nous sortions de ça. Les journalistes, ils sont maliens avant d'être journalistes. La presse a été là pour couvrir toutes les activités du comité. Tout le monde s'est impliqué pour le succès de cette opération. Avec l'ensemble des partenaires, la presse, il y a les retransmissions en direct, il y a la couverture d'événements, il y a vraiment un accompagnement total de l'ensemble de la presse malienne pour le succès de cette opération. Depuis le début de la crise au Mali, les acteurs de la presse ont toujours fait preuve de leur engagement pour la sauvegarde de la patrie. Ce dialogue sera l'occasion pour la presse malienne dans son ensemble de renforcer cette paix et la stabilité du pays. Nous allons continuer avec le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Après la maison de la presse, le président Ousmane Youssefi Maïga et sa délégation ont fait le tour des centres des 6 communes du district de Bamako, une façon de constater l'effectivité du démarrage des travaux et la participation des populations maliennes. À l'issue de sa sortie, c'est un président de comité confiant et optimiste qui témoigne au micro de Tamsir Diabaté. Mes impressions sont excellentes et nous avons fait depuis ce matin toutes les communes de Bamako. Nous constatons qu'il y a un engouement, qu'il y a des débats très sérieux, très civilisés, très francs. Nous sommes venus les encourager et continuer à croire que les autres les rejoindront d'ici demain, d'ici lundi. Pour que nous tous, dans notre diversité, nous puissions apporter quelque chose à l'édifice national. Pour porter le message de paix, le message de réconciliation, le message de solidarité, le message de concorde nationale. Dire aux Maliennes et aux Maliens que pendant très longtemps, beaucoup de rencontres avait eu lieu. Beaucoup de débats, beaucoup de recommandations et de résolutions pertinentes ont été prises. Quelquefois, comme les différents accords que nous avons eu à signer, il y avait une troisième personne qui était l'arbitre. Et que malgré tout, on n'a pas trouvé de solution à nos problèmes qui nous assaillent. Et c'est pourquoi il demande aux Maliennes et aux Maliens de se retrouver sans arbitre pour débattre de tous les défis auxquels le Mali est confronté. Et aujourd'hui, c'est le tour des communes. Après les débats ça et là, leurs délégués sont en train de débattre des thématiques que nous avons mises à leur disposition. Tout est sur la table. Et que ceux de nos frères et sœurs qui hésitent, qui doutent, doivent venir dire leur vérité, leurs solutions, leurs observations, leurs critiques, pour que le Mali enfin trouve les conditions favorables et réunies pour son développement endogène. Afin que le Mali sorte
de ces crises répétitives et se mettre au travail. Alors, voyons maintenant, qu'en est-il de ces travaux dans les communes? Je vous amène avec Boubacar Bablé Touré dans les communes 1, 2 et 3. Sur place, les salles étaient bien remplies et chacun prenait part au débat. Suivons. Ce 13 avril marque la phase communale du district de Bamako du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. En commune 1, l'engouement était perceptible, en témoigne la présence d'un nombre important de citoyens de la commune 1. Quant aux travaux, ils ont bien démarré dans la dite commune. Nous voilà aujourd'hui toujours interpellés pour contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Il est alors demandé à chacun d'apporter sa pierre dans les 3 jours durant un débat franc, afin que nos recherches marines retrouvent sa souveraineté, sa joie et le vivre d'antan. Ma principale attente par rapport à cela, que les Maliens s'accordent sur ce qu'ils veulent que leur pays soit. Personne ne viendra construire le Mali à notre part. En commune 2 du district de Bamako, c'est une salle de conférence qui a refusé du monde à l'ouverture des travaux. Ce qui prouve à suffisance la soif de ses participants à se parler pour asseoir une paix durable, gage de tout développement. On avait demandé 100 participants, mais nous avons plus de 150 participants. Les gens sont venus de partout, puisque c'est pour la cause nationale, donc on ne pouvait pas les refuser la salle. Donc on a laissé la latitude à tout le monde vraiment de prendre part à ces débats-là qui sont très importants pour chaque Malien. En tant que femme, moi, j'interpelle toutes les femmes du Mali pour qu'elles s'impliquent davantage pour vraiment développer la paix entre les Maliens. C'est très important. Tout comme dans les communes précédentes, les travaux ont bien démarré en commune 3 du district de Bamako. Ici, l'engouement des participants à cette phase communale était visible. Ils ont répondu présents. Ils sont tous là. Les commissions ont été mises en place pour les travaux et les travaux ont bien démarré. Ce dialogue nous interpelle en tant que jeunes. Tout ce qui est axe à prendre dans le cadre du développement du pays ou dans le cadre de la paix ou de la stabilité, vraiment la jeunesse doit être un acteur clé de cet événement. Ces travaux se déroulent sous la supervision du gouverneur du district de Bamako qui a fait le tour d'horizon des lieux respectifs. Nous sommes satisfaits non seulement des conditions d'organisation, d'accueil, mais aussi des conditions de participation. Parce que là, il faut saluer les efforts fournis par les différentes collectivités. Dans ces 3 communes sillonnées, tout porte à croire que cette phase communale tiendra toutes ses promesses. Youssouf Diakité et Ibrahima Koulibaly, eux, nous font le compte-rendu des communes 4, 5 et 6 du district de Bamako. Démarré ce matin à 9h, l'engouement était au rendez-vous de ces travaux avec une participation massive des populations. Reportage. Les phases communales du dialogue intermalien ont effectivement démarré ce matin. C'est donc parti pour 3 jours de travaux sur les 5 thématiques proposées par le gouvernement avec à sa tête la paix et la cohésion nationale. Les participants apprécient l'initiative à sa juste valeur. Mes attentes, c'est surtout l'entente, que les Maliens puissent se parler à cœur ouvert, qu'on puisse dire toutes les vérités pour rebâtir le Mali de nouveau sur la base de la vérité et du travail bien fait. Mais cette assise est vraiment la bienvenue et elle est arrivée au bon moment. Moi, je peux dire que c'est le moment opportun même de cette rencontre, parce que le Mali en avait besoin. Les autorités communales estiment que chacun doit y mettre du sien pour définitivement retrouver la paix, la sécurité et les modèles de gouvernance tant recherchés par le peuple malien. Ce dialogue va nous permettre d'abord d'aborder les sous-thématiques suivantes, découlant de l'état des lieux. Premier thème, la gouvernance. Deuxième, l'aménagement du territoire et développement équilibré. Trois, relance économique et inclusion sociale. Quatre, adaptation au changement climatique.
5, exploitation minière et développement durable. Enfin, le chômage et emploi. C'est avec conviction et détermination que nous sommes engagés. Nous avons compris que quand il y a des problèmes, il faut que les gens se parlent. Toutes les couches au niveau de la commune 5 ont été intéressées. Et il n'y a pas eu une seule couche qui puisse dire aujourd'hui qu'il n'est pas représenté. C'est des fêtières qui sont là. Et avec l'espoir qu'ils feront, ils seront de bons relais. Nous pensons que ces concertations au niveau des communes permettront de pouvoir donner un cap pour vraiment la refondation et pour vraiment la consolidation de la paix au Mali. Donc chaque thématique a sa spécificité et chaque thématique répond à un souci des Maliens. Ces phases communales, faut-il le rappeler, durent 3 jours, du 13 au 15 avril 2024. 3 jours qui permettront aux participants de formuler des recommandations allant dans le sens de la stabilisation définitive du pays. Direction Kati, où le préfet du cercle Haruna Diarra a donné le top départ à des travaux dans la commune rurale de Kalabankoro. C'est le même exercice. 5 groupes de travail pour 5 thèmes sont constitués. Ba Traoré. Du monde dans la salle de conférence du conseil des cercles de Kati pour le démarrage des travaux de la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. À Kati, autorités municipales et administratives mesurent l'enjeu de cette rencontre de 3 jours. Nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue tant attendu, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne. Les débats portent sur des thématiques relatives notamment à la paix, à la réconciliation nationale, la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l'économie et le développement durable. Ces thématiques qui seront débattues constituent des grandes questions engageant l'avenir de la nation. Chaque thématique fera l'objet de diagnostics rigoureux, débattu par les participants de façon libre et ouverte et qui a trait à la paix et à la réconciliation nationale. Nous attendons la paix, la cohésion et l'unité nationale pour que des propositions fiables puissent être faites pour l'intérêt général. La commune rurale de Kalabankoro, les délégués s'emploient au même exercice. Ici, 5 groupes de travail sont constitués pour débattre sur les thèmes. Comme l'a demandé le président de la transition, il voudrait que le problème malien soit traité par les Maliens. Il voudrait que le linge sale se lave en famille. Nous voulons que la finalité soit la paix et la réconciliation. Nous venons de commencer et l'objectif de rechercher est d'avoir la cohésion sociale, la paix et que tous les Maliens soient réconciliés. Cette phase communale s'étale sur 3 jours et les recommandations serviront de boussole pour la phase régionale. Et dans les autres communes des régions de Sikasso, San Moptier de Koutiala, lancement des discussions et des échanges pour 3 jours de travaux à Sikasso. Madame le gouverneur de la région a supervisé le démarrage des activités, nous dit Mustapha Doumbia. À Koutiala, c'est le directeur de cabinet du gouverneur d'après Brahima Kone. Boubacar Sangaré nous indique depuis Moptier que les populations veulent sortir des crises répétitives. Et enfin, notre correspondant Drissa Kone nous notifie que dans les communes de San et Tineni, les 50 participants comme indiqué sont présents à la rencontre. Suivons tout cela ensemble. La phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'avère pour les populations de la région de Koutiala une étape importante du processus de stabilisation et de développement du Mali. Toute chose qui suscite de l'engouement chez les participants à ce tournant décisif de la vie de notre pays. Le démarrage, on peut le dire, est effectif sur toute l'étendue de la région de Koutiala ce matin à cet instant. Nous sommes conscients aujourd'hui que le devenir de notre pays appartient à nous-mêmes. Chacun est engagé, tout le monde est engagé pour que le Mali se resserre dans les rangs des nations. Au chapitre de la méthodologie appliquée dans chaque commune, une 50aine de participants devront s'employer durant 3 jours, d'abord en sous-groupe, puis en plénière pour traiter 5 thématiques. Des thématiques intitulées « Paix, réconciliation et cohésion sociale »,« Questions politiques et institutionnelles »,« Économie et développement durable »,
aspect sécuritaire et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Il faut que les gens parlent. Le problème est connu. La solution appartient à tout le monde. Mais on cherche la meilleure solution. Et une porte de sortie est donnée à tout le monde. Même en dehors des 5 thèmes, on peut encore proposer d'autres choses. Cette phase communale du dialogue intermalien sera sanctionnée par des recommandations visant à faire de la phase régionale une réussite. L'objectif de ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. L'étape de la commune de Sikasso regroupe les représentants de toutes les sensibilités, parmi lesquelles les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations socio-professionnelles et les légitimités traditionnelles. Bravo à notre colonel et ses 5. C'est eux qui ont eu l'idée de faire parler les Maliens, inter-Maliens, que ce soit de la diaspora, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tout le monde participe à ce dialogue. Tout ce que vous avez comme conflit entre vous, exposez ça dans le plus grand respect et avoir un résultat concret. C'est un dialogue, je ne dis pas de la dernière chance, hein, mais en tout cas, on n'est pas loin de là. Parce que on a trop duré dans les Moussaraka, on ne se dit pas la vérité. Si on se disait la vérité, depuis longtemps, on serait pacifié. 3 jours d'échanges et de discussions dans des règles préalablement définies et rappelées par l'autorité administrative. Les participants sont tenus de respecter la diversité d'opinion, la liberté d'expression, d'éviter toute forme de haineux, injurieux ou discriminatoire, d'utiliser un langage courtois, de pratiquer l'écoute active en apportant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre. La cérémonie d'ouverture du dialogue est suivie de la visite de supervision de la gouverneure qui a insisté sur le respect des opinions des participants. Nous sentons vraiment un bon démarrage du dialogue dans la région de Sikasso. Nous avons eu écho pour les autres communes et il y a eu un bon démarrage. Et nous souhaitons que tout se passe bien. Et dès aujourd'hui, nous allons prendre la liste des délégués qui vont représenter les communes pour la phase régionale. La gouverneure a enfin rappelé l'existence de la plateforme numérique www.malidialogue.ml à travers laquelle les citoyens peuvent apporter leur contribution à ces dialogues intermaliens. Le linge sale se lave en famille, a-t-on coutume de dire. À travers ce dialogue intermalien qui vient de prendre son envol par la phase communale, les Maliens prennent leur destin en main. Dans la commune urbaine de Santou, comme dans les 42 communes de la région, les travaux ont bien démarré. Les 50 participants, comme prévu dans le thème de référence, sont tous présents et on vient de faire l'ouverture et on va commencer les travaux pour débattre sur les 5 thématiques des thèmes de référence et qui reflètent l'image du Mali, qui reflètent nos préoccupations, qui reflètent vraiment les aspects de développement. On va discuter ensemble sans tabou et sans exclusion. Tout le monde est là. On va échanger en malien, en frères, en parents. Idem à Tineni, où nous nous sommes rendus, les travaux se déroulent à hauteur de souhait. Les travaux ont bel et bien démarré. Et les gens sont sortis massivement parce que le taux qu'on avait demandé, les gens ont même dépassé ça. Donc arrivé à Tneni aussi, vous avez vu aussi l'affluence aussi autour de la chose. Donc on souhaite que dans les travaux, les gens vont produire beaucoup de choses. Et ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est avoir au moins la quintessence de ces travaux-là pour au moins envoyer ça au niveau région. 5 thématiques sont à l'ordre du jour, à savoir paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, et enfin, géopolitique et environnement international. Le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale réunit les autorités administratives et communales, les légitimités traditionnelles, les membres de la société civile, les leaders religieux et communautaires. Le but de ces assises est de permettre aux Maliens de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent pour leur pays sans interférence extérieure. Aujourd'hui, force est de constater que les problèmes du Mali ne peuvent être résolus que par les solutions préconisées par les Maliens.
Je suis convaincu que l'ensemble de la population, notamment de la société civile, les intimités traditionnelles et coutumières et religieuses et la classe politique saura relever ces défis. Ce dialogue est une opportunité pour les Maliens, c'est une opportunité pour les sans-voix. C'est pour cela que nous avons décidé d'être ici ce matin pour témoigner devant l'opinion nationale et internationale que nous sommes derrière le chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta. Cette initiative des plus hautes autorités de la transition est salutaire. C'est une opportunité qui va permettre aux Maliens de se donner la main pour asseoir une paix durable. Le gouverneur de la région de Mopti s'est rendu à la mairie de Mopti et à la mairie de Sokoura pour s'enquérir du bon déroulement des assises. Nous avons une tradition qui est insondable en termes de valeurs. C'est sur la base de ces valeurs que les gens sont réunis dans les différents lieux, comme on l'a visité à Mopti, ici dans la commune de Sokoura et dans les autres communes de la circonscription administrative de Mopti. Nous osons espérer que c'est sur ces bases de valeurs des animateurs du dialogue, des participants, des populations, ils vont interagir dans les perspectives de recherche de solutions durables. À rappeler que le dialogue intermalien est une initiative du président de la transition. Ce dialogue se déroulera en trois étapes, la phase communale, la phase régionale et la phase nationale. Dans la capitale du Méguétan, les travaux de la phase communale étaient présidés par le préfet du cercle avec à ses côtés les délégués venus du comité national de pilotage. Nous confirme Ousmane Koïta, démarrage effectif dans les 31 communes de la région de Nioro où le gouverneur de la région s'est rendu en supervision, nous dit Moussa Diakité de Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Barayogo. Nous ferons le point du lancement et le contrôleur général Alassane Traoré, le gouverneur de la région, a lui aussi les communes de Ségou, Pelengana et Sébougou où les groupes de travaux réfléchiront sur les 5 thématiques, nous dit Fousséini Samaki. C'est à travers l'entonnement de l'hymne national que les autorités de Koulikoro ont donné le ton des travaux du dialogue intermalien ce samedi 13 avril 2024. L'objectif visé est d'identifier les sources des crises au sein de la société malienne afin de trouver des solutions idoines aux différents problèmes dont souffre notre pays, le Mali. Nous en appelons à toutes les composantes afin de s'approprier de ce dialogue et afin que nous puissions mettre définitivement derrière nous les crises auxquelles nous sommes confrontés. Les résultats qui seront issus des assises seront mis à profit pour asseoir le fondement d'une paix durable au Mali. Cette initiative marque le début d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs, une cohésion et une fraternité légendaire entre tous les Maliens. J'invite l'ensemble des participants à une implication personnelle et à beaucoup d'indulgence durant les 3 jours de l'activité afin que de ces dialogues sortent des recommandations qui prennent en compte les aspirations réelles de la population. Prennent part à ces travaux les représentants des autorités locales, coutumières, religieuses, les femmes, les jeunes ainsi que les organisations de la société civile de Koulikoro. Signalons que toutes les communes de la région de Koulikoro ont tenu les mêmes assises. Comme partout à travers le pays, le dialogue intermalien a bien démarré ce samedi 13 avril dans l'ensemble des 31 communes de la région de Nioro. La mission de supervision conduite par le gouverneur de la région s'est rendu dans la salle des spectacles de la ville pour s'enquérir de l'état de démarrage des travaux dans la commune urbaine de Nioro. Là, ils sont plusieurs centaines de participants venus de 7 quartiers et 8 villages de la commune à répondre présent à l'appel du peuple. Nous disons à Assimi Goïta merci. Entre nous, Maliens, tout ce que nous allons entreprendre dans ce dialogue-là, c'est sorti du fond de notre cœur. Ça sera la solution au problème malien. Car le Mali, là, personne ne peut parler au nom du Mali, personne ne peut résoudre le problème du Mali, personne ne peut faire le Mali sans nous, les Maliens même. 3 jours durant, les participants répartis en 5 groupes de travaux traiteront aussi bien en travaux du groupe qu'en plénière les 5 thématiques afin que des recommandations pertinentes, prenant en compte toutes les aspirations et attentes des populations, sanctionnent les travaux. Aujourd'hui, il est permis, à travers ces assises du dialogue intermalien, de poser les diagnostics et délivrer les recommandations à solutionner tous les problèmes qui nous ont jadis minés et qui nous ont séparés ou créés des problèmes entre nous. C'est de débattre ces 5 thématiques en toute franchise et en toute honnêteté.
Le Mali a longtemps été un havre de paix grâce aux mécanismes endogènes hérités des grands empires et royaumes. En effet, la mauvaise gouvernance, les rébellions successives, l'inadaptation des hiérarchies sociales par rapport à l'évolution de la société, le terrorisme et le crime organisé ont terrorisé et désorganisé le tissu social et économique. C'est dans ce cadre que les plus hautes autorités de notre pays ont initié ce dialogue intermalien dont l'objectif est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Se pardonner, s'excuser sont des choses qui font partie de notre société. Entre les familles, les villages, même les communes, il peut se passer beaucoup de choses plus pures. Seul le dialogue peut mettre fin à tous ces problèmes. De réflexion en réflexion, on s'est dit qu'au Mali, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on échange entre nous. Disséquer le mal dans ses racines pour pouvoir apporter des solutions pérennes. Trois jours durant, toutes les communes de la région de Bougouni vont échanger et identifier les sources des crises qui affectent notre pays, identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés, identifier les stratégies et les mécanismes de restauration de l'autorité de l'État dans la considération de la paix. Au nom des plus hautes autorités de la transition, particulièrement au nom de son excellent le colonel Assimi Goïta, appelant la transition chef de l'État, féliciter tous ceux qui ont fait le déplacement et les encourager pour que cette quête de paix, de stabilité, de réconciliation nationale, de cohésion sociale, d'entente, d'entraide, en tout cas de concorde nationale que nous cherchons, que vraiment à l'issue de ces phases communales, que des fortes recommandations puissent parvenir au niveau régional. À noter que ce dialogue intermalien a mobilisé toutes les forces vives des communes de la région de Bougouni qui fondent un espoir pour un Mali uni. La phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation se déroule normalement dans la région de Ségou. Quelques temps après l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région, accompagné par des acteurs régionaux et nationaux, s'est rendu dans les communes de Sébougou, Pelengana et Ségou. Je suis convaincu que ce sera couronné de succès, tel que j'ai vu l'ardeur à la tâche, la conviction des uns et des autres, le dévouement des uns et des autres, l'engagement de tout le monde. Je suis convaincu qu'à Ségou, en tout cas, ce serait couronné de succès. Dans l'ensemble, tout se passe bien. De par le nombre de participants, le niveau de participation, mais aussi la qualité des participants. Lors du passage de l'équipe de supervision, les groupes de travaux étaient en pleine discussion sur les cinq thématiques. Nous avons décidé de laver les sangs en famille. Et le président, il a dit, a donné le ton à l'occasion de son adresse à la nation. Maintenant, nous voulons nous-mêmes nous approprier, parler entre nous, franchement, dire les vérités et tourner la page. Ce que j'ai particulièrement aimé et salué, c'est la participation aussi des personnes déplacées internes qui sont représentées à tous les niveaux. Et ça, c'est un signal fort pour dire que personne n'est laissé au bord de la route par rapport à ce dialogue-là qui est important pour les plus hautes autorités du pays, qui est important pour les Maliennes et les Maliens. Ce processus de partage et de réflexion sur les défis existentiels de la nation permettra de corriger les dysfonctionnements et amorcer un véritable processus de paix et de réconciliation malien. 617 villages de la commune de Nara qui ont pris part à la cérémonie de lancement des travaux du dialogue intermalien. Idrissa Keïta va nous en parler. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale font partie des thématiques sur lesquelles les Maliens, dans toute leur diversité, vont proposer des solutions adéquates. Nous confie Balkissa Chérif Haïdara depuis Kaï et Mouriba Keïta à Kidal. Aller à une paix et une cohésion nationale durable, c'est sous ce signe que les travaux du dialogue ont débuté dans les 53 communes de la région de Tombouctou, nous certifie Saloum Konaté et Mahamadou Askofari. Les chefs et autorités traditionnelles, les groupements et associations des jeunes et femmes, ainsi que les organisations de la société civile, bref, l'ensemble des forces vives venues de tous les villages de la commune de Nara ont répondu présents à ces assises du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Un dialogue qui va permettre aux Maliens de se parler, de s'écouter et de se comprendre afin de s'entendre sur la stabilité et le développement du Mali. Les
autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, ont décidé de faire en sorte que les Maliens puissent s'asseoir, se faire face et aborder tous les sujets sans tabou, afin que le Mali puisse se réconcilier avec lui-même et récupérer sa place dans le concert des nations. Durant 3 jours, les participants échangent sur 5 thématiques, paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense des territoires, géopolitique et environnement international. Le dialogue intermalien se veut un cadre de rencontre convivial entre les fils et les filles du Mali autour des défis qui entravent notre développement. Son objectif est donc de contribuer à la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la transition, colonel Assimi Goïta, visant à mettre les Maliens au cœur de ce processus de réconciliation. D'où cet appel du maire à toutes les forces vives de la nation à œuvrer ensemble pour la paix, la cohésion sociale et l'éveil de la conscience citoyenne. À l'instar des autres communes du pays, les travaux de lancement des activités du dialogue intermalien ont débuté ce samedi à Kidal. Durant ces 3 jours de travaux, 5 thématiques seront abordées. Quand il y a Kidal, chaque Malien aujourd'hui a les regards braqués sur ce dialogue dans l'espoir que les solutions idoines vont sortir de ça. Et pour nous permettre de tirer un tracer le passé et pour que ce passé ne revienne plus jamais. Il n'y a pas de sujet tabou. Ce qui n'est pas permis, c'est de vouloir croire qu'on peut diviser le Mali. C'est de croire qu'on peut remettre en cause la laïcité de l'État ou de la République. Chacun de ces thèmes doivent être soumis à débat afin de recueillir les avis, suggestions, critiques et recommandations des participants du dialogue à tous les niveaux. Ils doivent être développés sous l'angle de son apport à la paix et à la réconciliation nationale. Dans son discours, le sous-préfet de Kidal a salué cette belle initiative des autorités de la transition avant d'inviter les différents participants au respect des principes édictés de l'article 16 du règlement intérieur du dialogue lors des débats. Le Mali, depuis environ 3 décennies, est confronté à une série de crises économiques et sécuritaires. Ces crises devenues multidimensionnelles à partir de 2012 menacent les fondements de notre nation et imposent aujourd'hui un dialogue entre Maliens en vue de construire une vision nationale concertée à la hauteur des défis de l'ère. Rappelons que ces mêmes assises communales du dialogue intermalien se tiennent dans les communes d'Anéfis, d'Aguelok et de Tessalit. Comme voulu par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, les travaux du dialogue national intermalien ont bien démarré dans la région de Kaye. Certitude donnée par le gouverneur de région qui s'est rendu à la mairie de la commune urbaine de Kaye, au centre d'accueil Guidi Magandankan, ainsi qu'à la mairie de la commune rurale de Kouloun. Nous avons fait le tour de ces mairies-là pour constater le bon début de cette activité et de voir si il y a des préoccupations à prendre en compte. Le constat est que tout se déroule normalement dans toutes ces communes-là que nous avons pu visiter et que les populations invitées sont sorties et les débats vont bon train. L'initiative présidentielle est fortement appréciée par les populations. Le président Nyenimbarami Boloda, Nibaranimambadi. Nous sommes très heureux de cette initiative du président de la transition. Comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Il est vraiment temps que nous nous retrouvions pour une paix définitive dans notre pays. Outre la ville de Kaye, les travaux se déroulent très bien dans les différents cercles de la région. Le message de compte-rendu que nous avons reçu, dans toutes les communes, le dialogue a commencé et dans de très bonnes conditions. Nous souhaitons que le dialogue puisse se terminer dans ses meilleures conditions également. Cette visite du gouverneur de la région de Kaye dans les différents sites s'est déroulée sous l'œil observateur d'une mission du comité de pilotage national. Pendant 3 jours, les Kayisiens de chaque commune vont se parler sans tabou pour lever tous les malentendus et formuler des recommandations pertinentes en attendant la tenue de la phase régionale prévue pour le week-end prochain.
La phase communale des concertations de ce dialogue intermalien a mobilisé à Tombouctou les fêtières des associations, organisations de la société civile et représentants des partis politiques dans l'ensemble des 53 communes de la région. Une mission de supervision nationale est venue partager son expertise afin que les travaux soient une réussite. Accepter d'assumer cette situation, d'être capable de se parler, de s'écouter, de se pardonner, d'endurer les atrocités commises est une marque de sagesse, de patriotisme qui permettra d'aller vers la paix, la stabilité, la réconciliation et la cohésion sociale. Je vous exhorte à donner le maximum de vous-même pour que la commune sorte la tête haute des travaux des dites assises. Je vous invite à être assidus et concentrés durant ces 3 jours afin que les thématiques soient bien traitées. Au cours de ces 3 jours, les participants aborderont 5 thématiques. Au constat de l'échec de la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation issue du processus d'Alger et de l'échec de plusieurs tentatives menées par le passé à penser qu'il était maintenant important de tenter une autre expérience, celle d'un dialogue franc entre Maliens. Pour ma part, je puis vous assurer de la disponibilité et de l'accompagnement des autorités administratives et politiques pour l'atteinte des objectifs du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation dans la commune urbaine de Tombouctou. De ces travaux de 3 jours sont attendues des propositions concrètes des citoyens sur les différentes thématiques afin d'asseoir les bases d'une nation forte où chaque Malien compte. Démarrage satisfaisant à Kita, où le gouverneur de la région s'est rendu dans certaines communes de la capitale régionale, nous confirme Mamadou Aliou Bari, à Menaka et à Taoudeni, Mohamed Lamine Maïga, Ibrahim Ag Amini et Mchirfi Moulay Aïdara. Eux nous font part de la satisfaction des différents intervenants qui saluent l'initiative. Même son de cloche à Gao et à Badjangara, nous disent Aliou Idrissa Maïga et Benoro Fofana. La phase communale du dialogue intermalien dans la région de Menaka suscite déjà beaucoup d'espoir. Je vois que c'est une bonne initiative. C'est une initiative aussi à saluer. Je profite aussi de cette micro pour vraiment saluer la transition malienne pour initier ce dialogue. Ça permet aux autorités de connaître réellement les problèmes de chaque commune. Que nous attendons de ce dialogue quand même des résultats qui vont nous permettre de finir avec tout ce que nous avons vécu. Les résultats tangibles sont attendus par tous les acteurs à ce dialogue intermalien. C'est la première fois que nous avons l'opportunité de dire ce qu'il faut pour le Mali. Saisir l'opportunité qu'offre ce dialogue intermalien pour débattre sans tabou et sans aucune complaisance des maux qui sont à l'origine de nos problèmes, afin d'y apporter des propositions ou solutions tangibles. Pendant ces 3 jours, les participants de toutes les communes de la région de Menaka vont proposer à la phase régionale des solutions à la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Lors de sa visite dans les différentes communes, le chef de l'exécutif régional a pu constater le bon déroulement des travaux du dialogue intermalien. De la commune rurale de Kofeba à Kita Nord, en passant par Bendougouba et Kita Central, le dialogue se déroule de manière satisfaisante. Nous avons eu le plaisir de constater une très grande mobilisation au niveau des 4 communes que nous avons eu à visiter ce matin en termes de supervision. Le dialogue intermalien que nous venons d'assister, c'est pour informer toute la population. Nous sommes d'accord que tout se règle au Mali. On va vous suivre ce processus-là. Nous, la jeunesse de Kita, nous sommes très contents. L'avenir des pays, c'est la jeunesse. On dit la vérité entre nous, les Maliens, pour que les pays s'avancent. Vraiment, je suis content. Préservation de l'aspiration au changement et encouragement des acteurs locaux à accompagner les autorités de la transition dans la construction d'un Mali courant inclusif, tels sont les principaux idéaux exprimés par les participants au dialogue intermalien. La rencontre-là doit permettre à la population de s'aimer,
de s'entraider, de collaborer ensemble, de voir ce qu'il faut pour le développement de la localité. Les Maliens sont appelés aujourd'hui à s'asseoir, à se parler, à se dire ce qu'ils ne voient pas. Ça fait plusieurs années que nous vivons ces conflits. Ce ne sont pas seulement des conflits politiques, il y a des conflits qui sont liés à la gestion des ressources naturelles. Le remède à cela aujourd'hui, c'est de nous retrouver, de parler, de se parler, de se dire la vérité. Ce dialogue direct entre les Maliens permet de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de chaque citoyen dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Trois jours durant, les Maliens vont dialoguer entre eux pour dégager des solutions allant vers la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Au niveau de la commune urbaine de Gao, les représentants de toutes les composantes de la société se sont retrouvés ce samedi pour échanger sur les différentes thématiques retenues par le comité de pilotage. Vos échanges porteront sur cinq thématiques. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, question de politique et institutionnelle, économie et développement rural, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le préfet du cercle de Gao et les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont fait le tour de certaines communes du cercle. Les travaux se déroulent normalement, tels que prescrits par les différents termes de référence. Toutes les composantes qui doivent y participer ont été conviées et ont répondu présentes. Nous sommes venus faciliter, travailler avec les autorités administratives qui ont la première responsabilité de l'organisation de ce dialogue au niveau régional. Nous avons fait le tour et nous avons été heureux de constater que les travaux ont bien démarré et que pour le moment il n'y a pas de problème particulier. Au terme de ces assises de trois jours, les participants devront formuler des recommandations qui seront remontées au niveau régional, puis au niveau national pour l'élaboration de la synthèse générale. C'est dans une sérénité totale que les travaux du dialogue intermalien phase communale ont débuté à Badiagara. Après plus d'une décennie de crise qui a fragilisé le tissu social, l'heure est venue de se réconcilier pour un lendemain meilleur. Consciente de cela, la population de Badiagara dans toute sa composante participe à ce dialogue. J'ai l'interruption de la vie de ma commune. C'est une rencontre que j'ai beaucoup cherché. Aujourd'hui, je suis très heureux, pas de la rencontre même, mais d'être dans la rencontre pour pouvoir donner mon opinion. À Badiagara, ça se débute bien. Et toutes les personnes indiquées, au moins pour parler de la paix, ces personnes sont là. Les femmes sont en rendez-vous et elles veulent vraiment avoir la paix et la réconciliation et d'être porteur de la paix donc au niveau de la localité. Les jeunes ne sont pas restés en marge de cette activité. Et nous sommes présents pour pouvoir aussi contribuer à donner notre avis. Qui parle de cohésion sociale, c'est nous les jeunes qui sont en première ligne. Pour ce dialogue intermalien, les participants échangeront pendant trois jours autour de cinq thématiques. Justement, pour l'atteinte des objectifs de ce dialogue intermalien phase communale, les représentants de l'État à Badiagara n'ont pas manqué d'inviter les participants à la tolérance et à plus de responsabilités. Dans les 30 communes de la région d'Autodomi, le dialogue intermalien est effectif. Il s'agit pour ces acteurs de la société civile d'analyser objectivement les 5 thématiques proposées par le gouvernement afin de dégager des propositions constructives pour la paix et la cohésion nationale durable. Le Mali n'est pas pour les Bambara, le Mali n'est pas pour les Peuls, le Mali n'est pas pour les Soraï, il n'est pas pour les Arabes. Le Mali est pour tous les Maliens et la contribution de chacun de vous contribuera à la construction des Mali apaisés, réconciliés, forts au sein des autres nations. La mission de supervision a expliqué les vrais enjeux de ce dialogue. Nous sommes envoyés pour tout simplement vous porter le message du comité de pilotage mis en place par son excellence le colonel Assimi Goïta, afin que tous les Maliens se parlent, afin que tous les Maliens fassent du Mali la même chose. Vous avez des choses sur le cœur qui vous empêchent de vous développer. Vous avez des choses sur le cœur qui vous empêchent de vous aimer. Il faut le dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas entre vous? Il faut le dire. Les raisons,
on va les évoquer, on va les porter à la connaissance de tout le monde et tout le monde va trouver la même solution. Les thématiques au centre de ces travaux de trois jours sont entre autres paix et réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques institutionnelles, économie, développement durable. Et nous avons ces communiqués à propos de la tenue de la phase communale du dialogue intermalien. L'Alliance du 22 septembre Fassou Diokan invite ses membres et tous les Maliens à une mobilisation générale à toutes les étapes du dialogue intermalien en cours. La conférence des présidents de la coalition des forces patriotiques demande également aux membres sympathisants des partis politiques et associations de la COFOP de participer à toutes les activités initié par les autorités de la transition et notamment au dialogue intermalien. Le président du collectif intégrateur des Imochag et alliés de la région de Tombouctou, vu l'élan de solidarité active et citoyenne de notre slogan « Retrouvons les valeurs qui nous unissent » et le devoir patriotique du dialogue intermalien, invite les 212 chefs de village et fractions, les 12 maires, les 116 élus municipaux des 22 communes et les 8 tribus issues de 5 cercles de la région de Tombouctou et 2 communes de la région de Douanzan, de même que le bureau de la diaspora du Royaume de l'Arabie Saoudite, à s'impliquer activement au processus du dialogue intermalien en cours par une forte participation aux fins de relayer les difficultés et envisager les solutions endogènes à tous les défis qui se posent au niveau de nos territoires. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur le démarrage de la phase communale du dialogue intermalien. L'actualité, c'est aussi le lancement ce samedi matin des épreuves du concours d'entrée à la fonction publique. Ils sont au total 65 817 candidats, toutes spécialités confondues à y prendre. Au lycée Baminata Diallo, le sujet du jour portait sur la relance du domaine agroéconomie, précisément la production rizicole au Mali. Tiamoko Kolati. Centre d'examen du lycée Baminata Diallo, ce samedi matin, jour de démarrage des épreuves du concours d'entrée à la fonction publique. Alors que certains candidats sont déjà sur place, d'autres font leur entrée. Des candidats partagés entre sérénité et anxiété. Je suis titulaire en agroéconomie, licence en agroéconomie. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Bien. Un peu stressé quand même. Un peu stressé. Je suis titulaire d'une licence en agroéconomie de l'IFER IFRA de Katibou. C'est ma première fois de faire le concours d'entrée à la fonction publique. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Je suis à l'aise. Comme la dernière fois, j'ai participé au concours. Il est 7 heures, le temps pour le président du centre de s'enquérir de la disponibilité des surveillants avant de procéder à la répartition. Almam Soure. Mamadou Doumbia est là? Non. 7h21, le ministre en charge de la fonction publique fait son entrée à l'accueil son collègue de l'élevage et de la pêche accompagné du gouverneur du district de Bamako. Suivra l'étape de la montée des couleurs nationales qui ouvre la voie au démarrage officiel des activités dont le ton est donné à partir de la vérification des identités. Malgré le stress, bon, je garde quand même l'espoir, oui. Je suis prêt. 8 heures, top départ pour l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve technique pour les ingénieurs de l'agriculture et du génie rural. Pour le moment, ça va. Les sujets sont abordables. Bon, quand même, on est là à les traiter. C'est pas aussi difficile que ça pour le moment d'avant. Je pense que le sujet est abordable à notre niveau. Les zones rizicoles sont dans des problèmes. Bon, ils nous demandent de dégager ces problèmes qui existent. Nous sommes ce matin, 13 avril 2024, à 8 heures précises. Nous venons de procéder au lancement de la première épreuve technique avec les ingénieurs agronomes. Le concours va se poursuivre jusqu'au 5 mai. Chaque week-end, on aura samedi et dimanche dans les différentes spécialités jusqu'à la fin du concours. Notre impression que nous avons quand même trouvé des candidats qui sont vraiment engagés, qui ont confiance en eux-mêmes, qui croient à l'État donc et au pouvoir public. Cela est extrêmement important. Pour contrer toute tentative de fraude, rassure le ministre, le gouvernement a misé grand cette fois-ci en prenant les dispositions nécessaires. Puisque nous sommes des humains, il peut arriver des choses qui peuvent nous échapper. Mais, Inch'Allah, ce serait la dernière Inch'Allah.
toutes les dispositions sont prises pour qu'on ait un concours nickel, propre, transparent, donc basé sur l'équité et la justice sociale. Je crois que c'est un message que les gens ont déjà compris. Auparavant, le ministre et son collègue avaient porté ce message de transparence et d'encouragement aux candidats, histoire de leur signifier la meilleure qualité des ressources humaines devant assurer la relève dans l'administration. Pour rappel, ils sont au total 65 817 candidats, toutes spécialités confondues, dont 45 965 dans le district de Bamako à y prendre part. Commémoration ce 13 avril 2024 du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le gouvernement du Mali, aux côtés du peuple rwandais, dans cet élan de compassion et de recueillement collectif, à travers la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Khadija Toukone, Aloubé Kone était au CICB. Cette commémoration au Mali a été une occasion pour les convives de se souvenir et d'honorer le million de vies perdues en espace de 3 mois en 1994 au Rwanda. Cette année marque les 30 ans du génocide contre les Tutsis, un véritable moment de réflexion sur le passé, car ce génocide reste une profonde cicatrice sur la conscience de l'humanité. Des bougies allumées, des témoignages, autant d'émotions pendant ce recueillement collectif. Et pour couronner le tout, ce discours de l'ambassadeur du Rwanda au Mali a l'allure d'une véritable leçon d'histoire retraçant les moments tragiques du génocide. Le Rwanda est devenu un pays et une nation d'espoir, de prospérité et d'égalité des chances pour son peuple. Le Rwanda est un pays sûr, aujourd'hui dont on est fier, nous, en tant que Rwandais, 30 ans après. Le processus de reconstruction de notre pays est entamé en 1994, continue son chemin et il est irréversible. Nous voulons remercier tous nos partenaires des 30 dernières années, dont le pays frère du Mali. Résilient, oui, le peuple rwandais l'a été. C'est pourquoi il force aujourd'hui l'admiration du monde entier. Les représentants de l'Union africaine et des Nations unies ont tous déploré cette tragédie au Rwanda il y a de cela 3 décennies. Le leadership rwandais avait courage et une vision claire. Il a décidé de transformer ses blessures et ses plaies en ciment de l'unité de la nation rwandaise. Le devoir de mémoire nous interpelle à nous rappeler de ce sombre épisode de notre histoire et à nous engager à tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous devons cultiver et inculquer à nos enfants et aux plus jeunes des valeurs de respect de la vie humaine et à proscrire la haine et la division. Le Mali, à travers son ministre des Affaires étrangères, a tenu à exprimer sa solidarité envers le peuple rwandais. Occasion pour le ministre Diop de saluer sa persévérance, son courage et sa résilience. Le Mali est naturellement honoré d'avoir participé aux festivités du Kwibuka 30 à Kigali le 7 avril dernier. Et nous avons pu mesurer la dignité du peuple rwandais ainsi que l'engagement indéfectible des autorités rwandaises pour faire en sorte que ceci ne se reproduise plus. Et je pense que nous avons été marqués de noter que le Rwandais, avec ou sans aide de la communauté internationale, ne laisseront plus les Rwandais pour mort. Ce moment d'introspection exprime la détermination du peuple rwandais, en particulier la jeunesse, dont le dynamisme et le sens de responsabilité façonnent déjà l'avenir du pays. Un peuple déterminé qui a permis au Rwanda de quitter les ténèbres pour la lumière. Une réalité retracée ici dans ce film projeté devant les invités. Se souvenir, bâtir ensemble est le thème de cette 30e commémoration du génocide au Rwanda. La signature du livre d'or, les bougies allumées à la mémoire de tous les disparus du génocide rwandais sont autant de gestes des invités pour apporter leur compassion et leur soutien au peuple rwandais.
Abdoulkarim Kaba, bonsoir. Bonsoir, rien le Traoré. Voilà, vous venez de me rejoindre sur ce plateau et nous allons bien sûr parler de sport. On va commencer par le football, match amical international. L'équipe nationale des moins de 20 ans du Mali a battu son homologue de la Guinée-Bissau. La rencontre a eu lieu cet après-midi au stade du 26 mars à Yeri-Madjor. Score final, 4 buts à 1 pour le Mali. C'est d'abord les Bissau-Guinéens qui ont ouvert le score à la 18e minute. Le Mali va égaliser 10 minutes plus tard par Haruna Traoré. Les Aiglons vont même doubler la mise avant la pause par Dramane Diarra. Mi-temps, 2 buts à 1 pour le Mali. À la reprise, le Mali corse la décision par Mamoutou Berthier à la 80e minute et quelques minutes après son entrée dans le temps additionnel, un autre entrant, Bourlaye Koulibaly, marque le 4e but du Mali. Score final, 4 buts à 1 pour le Mali. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la compétition de la zone 2. Après leur succès dans la catégorie des cadets à la Coupe du Monde Indonésie, ce match est un test reçu pour les Aiglons du Mali. Oui, test réussi avec 4 buts quand même, Abdoulkarim Kaba. Tout à fait. Alors, nous allons continuer. Basketball, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 de mars, mercredi prochain. Après la fête, le championnat national de première division reprend ses droits avec la 4e journée. Mercredi, 5 rencontres sont au programme chez les hommes. Le centre de référence de basketball de Tombouctou affrontera l'ISFAS. Atra Club de Kidal sera face à l'AS Police. Dans la cité des rails, le Sigui de Kaye sera opposé à l'AS Rail de Bamako. En dame, le Djoulibassi en découdra avec l'ISFAS. À Koulikoro, le centre Bintou Dembélé recevra l'AS Rail de Bamako. Cette 4e journée du championnat national de Ligue 1 prendra fin jeudi avec 3 matchs, notamment Calaban Sport Club AS Police, Stade Malien de Bamako, AS Mandé de la Commune 4 chez les dames et chez les messieurs, Stade Malien de Bamako, je raconte la Commune 1. Alors c'est tout, Abdoulkarim Kaba. C'est ce qu'il fallait retenir. Et demain vous serez là sur le plateau Inch'Allah. Pour d'autres nouvelles sportives. Merci. Merci bien. Et merci également à nos téléspectateurs de Dedougouba, Kouloun, Téléni, Anifis, Intilit et Koutiala. Je vous dis à demain, 20h, pour la grande édition. Awama Kamara sera là à 13h. Merci et bon week-end. Merci Abdoulkarim Kaba. Merci bien.